Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de vidéo comparative où je vous présente une illustration et on compare des fournisseurs entre eux sur une même illustration. Et cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, nous avons Spring et Cross Stitch. Alors, juste pour une histoire d'organisation de la manière dont j'ai scindé le tout sur mon tableau, voilà, comme ça je suis certaine de ne pas me tromper, vous savez, moi pas grand-chose me perd, donc je remets de la manière dont c'est noté sur mon petit tableau. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à voir un petit peu ce qu'il en est de cette petite illustration, donc la petite fille au tournesol que j'ai eu la chance d'avoir hein, chez DIY Cross Stitch. Et puis chez Spring, assez récemment. Voilà, assez récemment, ouais, plus récent que celle-là du moins. Voilà pour ce qui est de cette petite illustration. Donc je vais vous la montrer de plus près sous le plastique. Bon, on voit quand même. Voilà, je vous montre la photo DIY Cross Stitch et la photo chez Spring. Allons-y, c'est parti. Donc, on va parler dans un premier temps de la présentation. Comme vous pouvez le voir chez DIY Cross Stitch, la présentation du produit se fait dans un sachet. Chez Spring, la présentation du produit se fait dans une pochette. En ce qui concerne le deuxième point, nous allons parler de la taille. Donc, chez DIY Cross Stitch, cette toile mesure 43 x 55 cm. Enregistrez bien ou prenez des notes. Chez Spring, on est sur du 55 x 70. Le nombre de points. Alors, chez DIY Cross Stitch, on est déjà au point numéro 3. 142 points x 194 points. Chez Spring, on est sur du 187 x 258 points. Illustration, oui, nous avons une illustration aussi bien chez DIY Cross Stitch. Ça y est, je bug dès le début, ça va mal. Et chez Spring, le type de projet, là, c'est pour savoir si tout est à broder ou pas. Donc oui, couverture totale chez DIY Cross Stitch. J'ai un petit doute. Attendez, je vérifie de suite. J'ai un petit doute. Alors, petit doute résolu, on est sur une couverture partielle. Voilà, donc ici, toute l'illustration est à broder. Tout. Tandis qu'ici, là où vous voyez entre les tournesols, les feuilles, etc., on va voir apparaître la toile vierge. On va broder l'herbe, le panier, la petite fille, sa robe, enfin sa tenue, toutes sortes de fleurs, etc. Mais le fond reste neutre, c'est-à-dire toile apparente. Donc couverture totale, couverture partielle. Alors maintenant, en sixième point, ben dis donc, on va voir si c'est de l'estampé, point compté. De toute façon, il n'y a pas 50 solutions. Nous sommes ici chez DIY Cross Stitch sur de l'estampé. Et je vous dis des bêtises, je recommence chez DIY Cross Stitch. Je suis sur du point compté. Et chez Spring, toile estampée. Je vérifie malgré tout que je ne vous dis pas de bêtises, parce que ça arrive, hein. La fatigue, etc., etc. Des fois, on raconte des bêtises. Alors, je vérifie. C'est OK, c'est bien ça. J'ai pas confondu. Donc, c'est bien ça. DIY Cross Stitch en point compté et Spring estampé. Ensuite, alors voilà, vous voyez pourquoi les différences, pourquoi je fais cette vidéo. Certains n'aiment pas le point compté ou certains adorent le point compté. Donc à vous de choisir selon les critères que vous avez pour vos projets en fait, hein.
les critères, les budgets également, ça c'est à prendre en compte. Le nombre de cantes. Alors, ici, on est sur du 11. C'était ici également. 11, c'était. C'est marqué ici. Y a-t-il un kit accessoire? Ce que j'appelle kit accessoire, un petit sachet ou quelque chose dans lequel il contiendrait les aiguilles, une bobinette. Des fois, il y a des bobinettes. Ça dépend où on se fournit les produits. Eh bien, non. Ici, on a... on n'a pas de kit accessoire. Ici non plus, on ne peut pas tout avoir. Le nombre d'aiguilles. Alors, ici, sur cette toile, nous avons 3 aiguilles qui sont plantées comme ça dans la toile. Et ici, dans un petit sachet zip sur le premier organisateur de fil, le trifil, nous avons un petit sachet zip dans lequel il contient 2 aiguilles. La taille patron. Allez, on arrive à des choses importante. Je suis sûre que vous êtes déjà mort de rire. Un petit patron ici. Alors, taille patron. Alors ici, DIY cross stitch. DIY cross stitch. Votre toile est en point compté. Pourquoi fournissez-vous un patron aussi rikiki? Alors soit il faut opter pour la solution d'agrandir, parce que là vous devez travailler avec votre patron. Une échappatoire aussi, c'est de screener des parties de votre toile. Et puis, ainsi, vous pourrez progresser en travaillant cela sur votre téléphone ou une tablette. Voilà. Mais malgré des choses qu'on leur a déjà dites, ils restent assez régulièrement sur un patron petit. Maintenant, attention, cette toile, je l'ai obtenue il y a au moins un an. Donc, peut-être qu'il y a eu une amélioration, pardon, au niveau du patron. En ce qui concerne le patron Spring, y a-t-il photo ou il n'y a pas photo? Voilà, je vous montre qu'une partie, hein. Je peux vous montrer aussi le bas. Voilà, donc il n'y a pas photo. Quand on voit ça et ça, il y a une sacrée différence. Donc, taille patron, très petit. Et ici, moi, je dis que c'est une très bonne taille et très, très lisible. Alors, les impressions du patron sont bonnes, sont propres, sont avec des couleurs très lumineuses, très voyantes. On ne peut pas se tromper. Moi, j'arrive à bien les percevoir. Mais à force de fixer, je pense qu'on doit vraiment vite se fatiguer. Voilà pour ce qui est du patron. J'appelle cet 11e point format patron. En fait, je parle vraiment de la texture du papier, du patron. Ça aussi, c'est important. Est-ce que ça va s'abîmer, etc. Est-ce que c'est costaud? C'est sur du papier glacé. À savoir que, je le dis souvent, je vous casse peut-être les pieds avec ça. Mais attention, si vous renversez de l'eau dessus, il est fichu. D'accord? Tandis qu'ici, on est sur un papier un petit peu luisant, on va pas dire cartonné. Il a une belle épaisseur. Ouais, c'est kiff-kiff avec le papier glacé. Hein. Et je ne pense pas que ceci s'estampe à l'eau. Je ne vais pas tester pour vous faire plaisir, mais je ne pense pas que ça s'estompe à l'eau. Voilà, mais quoi qu'il en soit, il faut prendre soin de ses affaires. Donc si on peut éviter de mettre de l'eau... C'est des bonnes habitudes à prendre. Voilà, donc celui-ci est d'une taille remarquable. Ensuite, le patron. On va parler plus précisément de ce qu'on y retrouve sur le patron. Des zones blocs, des points confettis, des points qui se suivent. Eh bien, sur cette toile, nous avons
des blocs, pas mal de blocs hein, quand même. On arrive bien à percevoir la petite fille qui a son bras en l'air, les tournesols. Je regarde pas l'écran. Bon, je sais ici qu'il y a un panier, mais sans le savoir, je pourrais pas dire que c'est un panier. Voilà. Donc, il est pas mal. Franchement, en soi, il est pas mal du tout réalisé. Moi, je le trouve très joli. En plus, ils nous ont fait un fond. Quand vous regardez l'illustration, on a un fond colorisé de bleu ciel et de petites taches jaunes. Regardez, ils ont pris le soin de le faire. Et c'est sous forme de blocs, vous voyez? Là, 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 il y en a plein. Hein. Voilà, moi je trouve que c'est bien. Ils l'ont fait sur le pourtour, ils ont évité de le faire à l'intérieur. Donc ça, c'est déjà un très bon point. Sinon, ça pourrait prêter un petit peu à confusion le reste. Donc moi, je le trouve... franchement, il est bien. Hein. Le seul point négatif, c'est qu'il est petit. Voilà, alors si vous avez une imprimante qui peut aussi agrandir vos patrons, n'hésitez pas à le faire. Parce que je pense qu'il en vaut quand même la peine, ce petit patron. Il est quand même très très bloc. Alors, très bloc, il y a pas mal de blocs. On a aussi pas mal de zones qui se suivent. Par exemple, ce vert, déjà qui démarre ici, ici. On a des petits points par-ci, par-là, des petites lignes, des petites fréquences de points qui se suivent. Mais il y a moyen d'aller assez loin et de voir même finir un fil. Donc ça, c'est super intéressant. J'y ai remarqué aussi des petits confettis. Ici, par exemple, j'ai deux triangles tout seul. Un troisième là. Vous voyez, j'ai regardé une zone, je me suis focus dessus. Et en me focalisant dessus, j'ai trouvé du confetti. Donc, il y a un petit peu de confetti, mais quand même, je trouve que ça va. Il y a eu pire. Voilà. Ensuite, on va regarder chez Spring, juste sur une tranche, hein, on le voit déjà. De grandes zones blocs. Voilà, des points qui se suivent. Ça, c'est indéniable chez Spring. C'est vraiment leur point fort. Je vais vous montrer quand même ailleurs. Ça parle tout seul. Pas besoin d'expliquer. Voilà, du bloc, des points qui se suivent. On a ici deux petites croix toutes seules. Deux. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a du confetti si c'est une fois tous les 36? Voilà pour ceci. Le nombre de couleurs. Alors, chez... je vais mettre ça là. Je vais ranger le patron quand même. On évite de s'égarer hein, parce que sinon après on s'éparpille. Alors mélanger, non, parce que je sais à qui correspondent les documents. Alors, le nombre de couleurs. Chez DIY Cross Stitch, vous l'avez peut-être vu quand je vous ai montré le patron, il était tellement petit que vous aviez d'apparent la légende avec le nombre de couleurs. Donc chez DIY Cross Stitch, 25 couleurs. Tandis que chez Spring, on est sur 44 couleurs. Le type de point. Qu'est-ce qu'on va retrouver chez DIY Cross Stitch et chez Spring ? Chez DIY Cross Stitch, on n'aura que des petites croix à faire. Voilà, si vous aimez les croix, c'est le moment ou jamais. Même votre fond est à faire en petites croix. Voilà. Tandis que chez Spring, on a des croix pleines. Ça, il n'y a pas de souci. Mais on a un peu de backstitch. Alors, je vous l'annonce, c'est pas un type de point. On a un mix de couleurs. Comme ça, vous le savez aussi, on va mixer quelques couleurs. J'aurais pu laisser sortir mon patron. On a un mix de couleurs sur une seule fois, en fait. Hein. On va inventer un nouveau point, en fait. Enfin, un nouveau point. Une nouvelle couleur, voilà, une seule fois. Alors, mais si, celui-là, je l'ai reçu récemment, je dis des bêtises, parce que je me rappelle... La bouche en cœur. Voilà. Il n'y a que ça à faire en backstitch. Et il n'y a rien d'autre. Je vous montre. Il n'y a rien d'autre. Donc, backstitch, un chouille.
petit chouille, très très peu. Vraiment en douceur, hein. Il n'y a rien à... Il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a quasiment rien. Juste la forme d'une bouche. Voilà. Ensuite... C'est bon, on est déjà au 15e point, les amis, ça va vite. Alors, ici, les fils. Eh bien, je vais les sortir. Hop, je vais mettre celle en attendant. Les fils sont présentés sur Organisateur, la présentation des fils. On aborde ce sujet. Et chez Spring. Idem, on est sur organisateur de fil. Voilà. Donc, on va comparer les couleurs. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que les deux se présentent sur organisateur, donc c'est plus facile à montrer. Donc, je déballe. Cross Stitch a de très jolies couleurs. Je peux vous le dire, si ça peut vous rassurer, si vous l'avez dans vos affaires, si vous l'avez eu en cadeau. Pour une histoire toujours de budget, hein, c'est possible. Regardez-moi ces jolies couleurs. C'est très beau. Très très beau. Moi j'aime beaucoup. Il serait bien, c'est sûr, de broder à chaque fois les comparatifs. Mais ça prendrait un temps. Il faudrait que j'embauche... une personne à temps plein pour broder avec moi. Non, non, mais je plaisante, mais voilà, je peux pas comparer les deux broderies où un jour je m'y attellerai, mais c'est pas l'envie qui m'en manque, c'est juste le temps. Voilà, j'ai signé que pour une vie, hélas. J'aimerais signer pour plusieurs. Donc voici les autres couleurs que propose l'organisateur DIY Cross Stitch. Et je vous montre les couleurs de chez Spring. Alors, on est sur des couleurs beaucoup plus peps. Voilà, on est sur des couleurs beaucoup plus lumineuses. Voilà. Et le deuxième, par contre, me fait un peu penser à ce que je viens de vous montrer chez DIY Cross Stitch. On va y aller. De toute façon, on va s'amuser à comparer un petit peu les couleurs. Ouais, regardez. Quand je vois ça ici, je me rapproche. Alors ici, on est chez Spring, vous le voyez sur l'organisateur. DIY Cross Stitch à ma droite, ou alors je reste dans le sens que j'ai toujours présenté jusqu'au début. On est pas mal dans les teintes orangées sur un même genre. C'est pas les mêmes couleurs pour certaines. Celui-ci, le 24, c'est le même que le 30. Mais il n'y a pas tout, mais à savoir qu'il y a encore des couleurs beiges de ce côté-ci, hein, qui ressemblent fortement à celles que nous avons ici. C'est pas la même, mais ça s'en rapproche fortement. Ouais, on est pas mal. Même ce orange-là, ça pourrait être plus celui-ci. C'est pas le même, mais on s'en rapproche. Je trouve ça trop bien quand même, hein. Ah ouais, non, franchement, c'est bien, 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 bien. Alors, Spring. Alors, ici, j'ai qu'un seul organisateur, vu que j'ai 25 couleurs. Donc, en cherchant avec les autres, il va falloir regarder avec ce que me propose comme autre couleur Spring. Hop là. Ouais, on est déjà pas mal, hein, sur certaines couleurs similaires. Oh, attendez, je fais tomber mon papier, rien ne va plus. Hop, je vais y arriver. Non, ça glisse. Oh, bah, décidément, j'ai pas de chance. Voilà. Pour certaines couleurs. Ouais, c'est un petit peu compliqué de tout montrer en un. Et tout, je ferai en deux fois, c'est pas grave. Donc, on reprend l'organisateur de fil de couleurs chez Cross Stitch. Alors, vert chatoyant comme ça, j'en ai un qui pourrait faire le job. Et Cross Stitch Spring, d'accord?
On est sur une teinte voisine. C'est pas la même, mais on n'est pas loin non plus. Celui-ci, le 16. Oh, 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 bingo, le même. Ce vert-ci, c'est le même que le 26 ici, chez Spring. Ouais, il y a franchement des couleurs très ressemblantes. Et on a pu le voir à l'instant, une couleur similaire. Je me plonge davantage dans ce que je vois. Marron, c'est pas le même, mais ça va faire le boulot. Hein. Le rose, alors, ici, moi, j'ai du violet. Par contre, chez Spring, j'ai du violet. Chez Spring, j'ai un vieux rose qui tire sur le violet, mais c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, on va regarder l'autre côté. Non, franchement, c'est sûr, c'est pas les couleurs vibrantes Spring, hein, on le voit de toute façon. On va appeler un chien un chien, hein. Donc c'est pas encore pareil. Mais il y a un sacré respect au niveau des nuances. On est, même si le patron n'est pas le même, la couleur de l'illustration s'en rapprochera pas mal. Non, non, franchement, si je peux vous rassurer, les couleurs que moi je vois ici chez Cross Stitch, elles sont jolies. Elles sont jolies, voilà. Elles sont lumineuses à leur manière. Je vais les enrouler. Elles sont lumineuses à leur manière, mais on n'a pas des couleurs très flash. Voilà, mais des jolies teintes de couleurs. Je suis désolée si vous entendez mon estomac. Je sors tout juste de table. Je vais profiter que je suis toute seule. Parce que ce genre de vidéo, j'aime bien être tranquille, mais pas me dire « Oh là là, il y a quelqu'un qui va descendre et je vais devoir couper. » Bon, on a des fils plus ou moins de longueurs différentes. Voilà, je vais rouloter aussi Spring individuellement pour vous rendre compte un petit peu que ce qu'on a là. Je trouve qu'on est, on est vraiment pas mal. Hein. Alors, certes, les couleurs Spring, c'est les couleurs que Spring nous met, quoi. On est sur une gamme au-dessus. Hein. Mais pour un petit budget, si vous deviez, même pour offrir... Hein. Je trouve que c'est pas mal. Le seul point, je vous dis, qui m'embête, c'est la taille du patron. Voilà. Je vous remonte les couleurs. Vous voyez, on est sur des couleurs beaucoup plus peps. Là, je ne dis pas que ça va être fade, mais ça sera moins lumineux. Après, si vous vous sentez capable, si vous avez du rab en fil, si vous êtes collectionneuse de fil, pourquoi pas changer certaines couleurs pour des couleurs un petit peu plus lumineuses, un peu plus éclatantes. Vous voyez, ici, ils se permettent de mettre des orangés qui frôlent le fluo, des verts aussi qui frôlent les couleurs fluo. Donc, on peut jouer avec les couleurs. Hein. Voilà. Pour les fils, on vient de les comparer. Où suis-je ? toile emballée ou toile non emballée. Alors, je remets ceci. On va ranger. Je vais sortir la toile. Bien que j'aime bien ranger des fils dans la toile, mais bon. Hop, on va y arriver. Imaginez, hein, ce genre de vidéo me demande quand même de la manipulation. La toile. La toile. Bon, je peux ranger mes fils chez Cross Stitch, chez Cross Stitch Spring. Voilà. Alors, DIY Cross Stitch, j'espère que c'est pas au ralenti. La toile et Spring. Alors, toile emballée à part, point d'interrogation, bah non, chez DIY Cross Stitch, ils n'emballent pas à part. Voilà, d'où les petits prix aussi hein, des produits DIY Cross Stitch,
tandis que Spring, il vous l'emballe à part. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Je vous montrerai de toute façon au sol également après, hein, malgré qu'il y en a une qui est en point compté. Toile surjetée. On va tout de suite voir ça et après je vous montrerai les toiles. Alors chez DIY Cross Stitch, nous n'avons pas de toile surjetée. D'où tout est dans l'histoire du coût hein, du kit. Hein, tout se paye. Tandis qu'ici, nous avons un produit qui est surjeté. Voilà. Vous avez le surjet sur le pourtour. Tandis que chez Cross Stitch, voilà, il n'y a pas de surjet, c'est à même la toile. Alors, je vais vous retrouver au sol maintenant. Oui, on va faire ça. Je vous montre les toiles au sol. Je discute un petit peu avec vous sur les produits, malgré que ça sera assez vite réglé, vu que celle-ci est en point compté et celle-ci est estampée. Et puis après, on se retrouve coin bureau. Enfin, plan table pour moi, puisque c'est pas mon bureau. Quoique, des fois, on se pose la question. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est assez surprenant. J'ai voulu les mettre au même point de départ, quasiment. Donc, vous voyez tout de suite à gauche DIY Cross Stitch. Donc, ici, on se retrouve avec une toile. Et ça, c'est bien. Franchement, pour le point compté, c'est trop bien. Ils vous ont fait le diagramme. Voilà, même s'il y a des endroits, les points sont pas, les traits sont pas faits jusqu'au bout, il manque un peu de traits. Franchement, vous n'avez rien à penser. Vous n'avez qu'à penser à démarrer. Et c'est tout. Donc ça, c'est un très très bon point. Maintenant, si ça ne vous dérange pas, regardez, elle est belle. Hein, la toile est bien blanche. Non, franchement... ça aide beaucoup, donc je trouve ça trop bien. Maintenant, chez Spring, c'est encore une autre histoire. Chez Spring, on a une toile, pareil, hein, il n'y a plus qu'à. Et là, on est sur de l'estampé et puis bah, de belles zones blocs. Hein, voilà. Donc, il y aura aussi des zones blocs chez DIY Cross Stitch. Il y en a moins, certes, elles sont moins grosses, certes. Ici, ma fleur chez Spring, elle est quand même contourée. Toutes les fleurs sont contourées. Tout élément est contouré. Les bras, les petites couettes-couettes, le chapeau, le lapin. Tout est contouré par une couleur de point de croix. Donc, vous faites des petites croix, en fait, d'une couleur autre. Je vais regarder un petit peu à quoi ça correspond. Du 300. Voilà. Symbole 5, le cinquième du 300. Ok. Voilà. Donc, à vous de voir ce qui vous plaît. Après, comme je le dis depuis le début, tout est aussi une question budget. Si vous avez l'intention de la faire pour l'offrir à quelqu'un et que les budgets sont serrés, par exemple, même pour des Noëls, hein, ben, je pense qu'on est quand même sur quelque chose de pas mal ici. Hein. Voilà. Allez. On se retrouve, je pense que j'ai tout bien dit, j'ai tout bien montré. Peut-être pas suffisamment du coup chez Spring. C'est tellement beau de loin que je pense même pas vous montrer de près en fait. Vous aimez le bloc, hein. Il y a des gens qui n'aiment pas le bloc. Hein. Mais on a des petites zones blocs, des choses plus petites. Regardez comme les traits dans la robe, le visage, ouais. L'intérieur des tournesols se font en plusieurs étapes de couleurs dans les feuilles. Après, il y a des plus grosses zones de blocs. Le bleu de la robe, le symbole 44. Allez, on y va à mon QG, ma table de salle à manger. Voilà, j'ai plié mes deux toiles. DIY Cross Stitch. La toile est un chouille moins blanche que, on le voit je pense en caméra, mais c'est vraiment léger, voilà. Ensuite on va, comme je fais à mon habitude, on va tâter
Alors, tâtonnons. Tâtons. On tâte. C'est le moment de voir un petit peu. Oh, bah, il n'y a pas photo, je sens direct. Alors, la rigidité de la toile, on va les comparer. On est sur quelque chose ici chez Cross Stitch qui s'assouplit. Enfin, qui... On sent que c'est amidonné. On sent qu'il y a de l'après dessus, même si ici, il n'y a pas de point. C'est amidonné. C'est une présentation qu'on met sur un textile pour une meilleure tenue, une meilleure présentation. Voilà, c'est comme ça, ne cherchons pas. Il y a des nappes qui sont amidonnées quand vous les achetez. Et après un lavage, elles sont beaucoup plus souples. Donc, bah, que vous dire, sa souplesse va se retrouver assez vite. Ici, on est sur quelque chose d'un peu plus... D'ailleurs, ça me fait un peu mal. À des moments, si je frotte mes bras dessus, c'est un peu râpeux, rugueux. Mais ça va s'estomper. Alors, par contre, j'ai remarqué que chez Spring, on a des toiles de qualité, entre guillemets, attention, second degré, de qualité un peu différente. Alors, pour moi, c'est une question d'après, de dosage d'après. Voilà, donc l'après, c'est le produit qu'ils viennent mettre, ne serait-ce déjà pour mettre les symboles et pour donner cette rigidité, ce côté de la tenue exemplaire de la toile. Voilà, une toile qui présente bien, qui accroche bien au niveau des couleurs. Et, mais elle va se donner. Je sens que ça va se donner avec, à force de manipulation. Quand il fait chaud, on a les mains un peu plus transpirantes. Donc ça assouplit plus vite. Mais attention, quand il fait chaud, quand on travaille de l'estampé, on risque aussi de faire déteindre un petit peu, enfin, d'atténuer les symboles. Ça peut arriver. J'ai déjà remarqué, mais mes symboles ne disparaissent pas pour autant. Hein. Mais ça les diminue au niveau de la couleur. Je ne parle pas de Spring. Hein. J'ai déjà eu ça avec d'anciennes toiles avant qu'on connaisse la société Spring. Donc voilà, au niveau de la comparaison bindée de toiles, je dirais hein, que la qualité de celle-ci est et au-dessus quand même. Mais pour une première entrée de prix DIY Cross Stitch, je trouve que c'est déjà pas mal. Voilà. Quand on pense au prix d'un kit et au prix d'une toile qu'on achète toute seule et qu'après il faut acheter le patron, il faut acheter les fils... le budget est bien plus conséquent que du DIY cross-stitch. Ça, c'est une histoire de point de vue, c'est une histoire de goût, c'est une histoire de porte-monnaie, c'est une histoire personnelle aussi. Donc, voilà. Je range et je vous donne la suite, c'est-à-dire mon avis. Alors, le rangement s'est fait attendre. Mon avis également. Hop, on y va. C'est parti. Donc déjà, ben, je suis ravie d'avoir eu ces deux projets, hein, les deux compagnies différentes que j'ai eues. Mais bon, aujourd'hui, on n'est pas là pour citer chez qui ça me vient. Celle-ci a été unboxée il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois même savoir qui. Ouais. Bon, Elgobi VIP. Ok, ça y est. Donc, mon avis, si j'avais jamais eu Spring, mon cœur était charmé par celle-là. Donc, avec grand plaisir, j'aurais fait celle-ci. J'ai vu que Spring la faisait. Et puis, j'aime bien aussi de temps en temps du point compté. Alors, des fois, c'est difficile à se décider, hein, quand même. Mais, je me dis qu'un jour, j'aimerais vous présenter deux toiles qui ont été en comparaison et de les faire, les deux. Voilà. Donc, à ce jour, si je n'avais qu'un choix à faire et que je ne peux pas prendre les deux, hormis problèmes budgétaires et compagnie, bah ouais, Spring. Spring parce que je suis charmée par le motif estampé. Ok. Maintenant, j'aurais recherché du point compté
Parce que je vous dis, hein, le kit est vraiment pas mal. Hein. Le patron, par contre, c'est le patron qui pose un petit peu problème. Mais on a des moyens techniques avec nos technologies modernes. Déjà, on a des imprimantes qui peuvent agrandir. Vous pouvez aller en librairie, ceux qui ont des imprimantes, de demander s'il y a possibilité de faire un patron agrandi. Voilà. Bon, ça augmente un petit peu du coup le coût de ce produit. Mais voilà, pas beaucoup plus. Et puis après, vous prenez soin de votre patron et vous pouvez le faire à volonté après. Hein. Donc, ouais, non, franchement, elles sont très belles. Et c'est vrai que je suis curieuse de voir le rendu de l'une et de l'autre. Voilà. Je mûris ma réflexion. En tout cas, j'espère que ce petit moment en ma compagnie vous aura plu, vous aura intéressé. Vous aura rendu service sur peut-être des questionnements que vous vous posez. Donc, par contre, faites bien attention quand vous choisissez un produit dans une boutique. Il se peut qu'un fournisseur autre le fasse. La preuve en est, j'en suis pas à ma première vidéo comparative d'illustrations similaires. Et donc, il y a un choix à faire. Et pour essayer de vous faciliter la tâche, eh bien, je m'attelle à ce type de vidéo qui demande quand même de l'organisation, il ne faut pas croire. Mais voilà, moi, quand j'achète quelque chose, d'avoir des moyens de comparaison, eh bien, je suis preneuse. Donc, j'espère que vous aussi, ça vous plaît. Depuis que je fais ce style de vidéo, il n'y en a encore aucune qui est sortie. Hein. Je travaille, je programme. Et donc, je ne sais pas quel accueil aura ce genre de vidéo à ce jour. Donc on verra bien, en tout cas j'y mets toute mon âme, j'y mets tout mon cœur. Et puis j'espère vraiment que ça vous séduira, que ça vous plaira, que ça vous aidera surtout. Voilà, je vous fais de gros bisous. Moi je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bonne petite croix et puis bah, vive les croix. Vive les croix. Que voulez-vous que je dise d'autre à part qu'on est amoureux des croix, donc vive les croix. Bisous tout le monde, à demain.